Ah, il n'y a rien de meilleur qu'une carotte fraîchement cueillie dans le jardin. Je vais cueillir celle-là pour toi, Moussaillon. En garde. Ces lianes sont super pour se balancer. Tu devrais essayer, Twig. Non merci, Quasi. Cueillir les carottes, ça suffit à mon plaisir. Oh, ça n'a rien de très amusant. Il y a sûrement autre chose à faire dans le coin. Capitaine, vous m'autorisez à prendre le Gubbé pour faire... En fait, j'ai besoin de... Enfin, vous voyez quoi, je dois... Laisse-moi deviner, tu dois perfectionner ta conduite. Oui, c'est ça. Je dois perfectionner ma conduite. Oh, des dauphins! Les dauphins sont très rapides, même bébé. Mais je suis sûr que je peux les rattraper. Salut les dauphins! Rien de tel qu'un petit tour avec le Gubbé pour entretenir sa forme. On dirait que tu nous as ramené un ami. Un ami? Oh! Un bébé dauphin! Oui, il t'a suivi dans ta course, Quasi. Oh, mais ce n'est qu'un bébé. Pauvre petit dauphin, il a besoin de sa maman. Nous allons le ramener. Twig, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission va être de ramener ce bébé dauphin auprès de sa mère. Comment a-t-il fait pour perdre sa mère? Je pilotais le Gubbé à proximité des dauphins, et pour une raison que j'ignore, il m'a suivi au lieu de suivre sa mère. Il a dû se prendre dans ton sillage, Quasi. C'est quoi un sillage? Les mamans dauphins nagent si vite que derrière elles, il se forme un chemin qu'on appelle sillage. Ce sillage est comme un courant qui attire le bébé et aide à le garder près de sa mère. Si je comprends bien, ce bébé dauphin a été attiré par le sillage du Gubbé. Ah, je suis désolé, petit Moussaillon. Ça a dû se produire quand je suis passé entre toi et ta maman. Je me demande pourquoi il siffle comme ça. C'est parce que chaque bébé dauphin émet un son différent connu de sa famille. C'est ainsi que les mamans dauphins reconnaissent leurs petits. Bien, le sifflement de ce bébé dauphin va nous aider à retrouver sa mère. Twig, apporte-moi un micro et le magnétophone. À vos ordres, capitaine. D'abord, on va enregistrer le son du bébé et on le diffusera pendant nos recherches. Sa maman l'entendra et reconnaîtra le sifflement de son bébé. Attention, prêt, à toi. Reviens, petit Moussaillon, n'aie pas peur. Je crois qu'il t'aime bien, Quasi. Tu devrais essayer. Fais-nous un joli petit sifflement. C'est parfait, nous avons notre enregistrement. Shellington, Cassie, vous prenez le Gup E. Pesso, tous les deux, on prend le Gup A. Nous allons nous séparer pour les recherches. Toi, Quasi, tu restes ici pour faire du babysitting. Oui, capitaine, je... Quoi? Pour faire du babysitting? Eh oui, c'est toi le mieux placé pour ce travail, Quasi. Moi? Un babysitter? Oui, le bébé dauphin a l'air de beaucoup t'apprécier, alors surveille-le bien. Mais capitaine, je... Quasi, ouvre l'octo-écoutille. Séparons-nous, nous couvrirons plus d'espace. À vos ordres, capitaine. Ah, t'inquiète pas, petit Moussaillon, ils vont la retrouver, ta maman. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie à attendre. Oui. Viens, Moussaillon. On va sortir s'amuser.
Ici, ça m'a l'air pas mal. Bon, ben vas-y, joue. Mais ne t'éloigne pas trop, petit moussaillon. Où est-ce que tu te caches? Oh. D'accord, tu m'as encore eu. Un coquillage. Tu veux jouer à va chercher, c'est ça? Va chercher. Ah, t'es drôlement rapide, petit dauphin. On recommence. Miaou. Qu'est-ce qu'il y a, petit moussaillon? Sois prudent, ce petit homard peut te faire mal. Miaou. Oust, va pincer ailleurs. D'accord. Tiens ton coquillage, petit dauphin. Oui, très bien, d'accord. On va faire une course si c'est ce que tu veux. Attention, prêt, partez. Ah, des dauphins. Bonjour, reconnaissez-vous ce sifflement? Non, ça ne me dit rien, mais tout à l'heure nous avons croisé d'autres dauphins qui nageaient par là. Peut-être qu'ils le reconnaîtront. Merci. J'espère qu'on va les trouver, capitaine. Désolé, je n'ai jamais entendu ce sifflement. Oh. Par contre, j'ai vu une maman dauphin qui cherchait son bébé il y a environ 5 minutes. Elle était de l'autre côté de ce récif. Ah, oh, merci. Cassie à Capitaine Barnacle. Capitaine, nous avons des infos sur la maman du dauphin. Elle serait de l'autre côté du récif. Bon travail, Octonaute. Allons voir. Miaou! Pas mal du tout. Maintenant, essaye ça. Oh! Hé, t'es où? Oh non, mais où est-il? Petit moussaillon, reviens voir Quasi! Où es-tu? Regarde, là-bas! Bonjour, est-ce que tu reconnais le sifflement de ton bébé? Oui, c'est bien lui. Ça fait des heures que je le cherche. Vous pouvez me dire où il est? Nous allons te mener à lui. Suis notre sillage. Oh, merci beaucoup. Barnacle à Quasi, nous avons retrouvé la mère du bébé dauphin et nous revenons vers l'octocapsule. C'est génial, le bébé dauphin va être très content. On vous attend avec impatience. Barnacle terminé. Oh, c'est pas croyable ça. Je ne le trouve nulle part. J'ai une petite faim. Miaou! Non. Non, non, je vais devoir attendre. Ouf, il est parti. Heureusement, tu n'as rien. Tu ne dois pas t'éloigner tout seul, c'est dangereux. Reste près de moi, petit moussaillon. Hein? C'est ta maman! Oh, mon bébé! Je suis si contente de te voir! Merci de vous être occupé de mon bébé. Je n'ai fait que mon devoir d'octonaute et de babysitter. Viens, mon chéri. Il est temps de partir. Allez, va avec ta maman. Oh, pour moi! Merci, petit moussaillon. Au revoir, et encore merci. Bon travail, Octonaute. Pour toi aussi, Quasi. Merci, capitaine. Je vais le ranger avec tous mes autres trésors. Comme ça, je me souviendrai toujours de toi, petit moussaillon.